tombe de la paupière est cassée, ben c'est pas grave. Voici trois solutions. Alors, pour commencer, pour les trois solutions que je vous propose, vous devez faire sortir l'ombre à paupières complètement du boîtier et le réduire ensuite en poussière là, avec peu importe les objets que vous avez sous la main. J'ai pris un couteau et après ça, j'ai réalisé qu'une cuillère aurait vraiment mieux été. Donc, vous le réduisez le plus possible et comme c'est écrit au début, ça c'est la solution la plus simple. Donc, c'est de vraiment prendre l'ombre à paupières et le mettre dans un tout petit contenant qui ne nous sert plus. Moi, j'ai pris un vieil étui d'air de verre à contact. J'avais perdu un bouchon, donc il ne servait plus à rien. J'ai décidé de mettre l'ombre à paupières à l'intérieur. Donc, à la fin, c'est très simple, il reste juste à mettre le bouchon, puis vous n'avez pas perdu votre ombre à paupières. Juste faire attention avec une ombre à paupières libre, comme ça, vous risquez de faire des dégâts parce que c'est plus facile et plus salissant. La deuxième solution, maintenant, c'est la solution surprenante, étant donné que on va partir de l'ombre à paupières qui est cassée, qu'on va mettre en poussière. Et on va en faire du vernis à ongles. Et oui, on va complètement changer sa fonction première. J'ai pris un top coat qui venait dans un kit que j'avais acheté. Les top coats qui ne sèchent pas super vite, moi je m'en sers pas. Et avec un tout petit carton que j'ai découpé sur un calendrier de Ramona. Top Job si vous connaissez Ramona. Je vous m'en sers comme faire une glissoire, puis je vais glisser l'ombre à paupières à l'intérieur. J'ai pas été capable de faire la job proprement. Je veux dire, j'avais le double d'ombre à paupières que j'avais besoin et de place pour mettre dans le vernis. Donc, vous y allez vraiment avec la quantité qui vous reste. C'est ça qui est le fun de cette solution-là. Vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup pour obtenir une couleur. Donc, j'en ai mis une fois. J'ai seulement poussé avec le pinceau que j'ai remis à sa place et j'ai shake. J'ai bien brassé. Et comme je vous dis, j'avais vraiment beaucoup trop d'ombre à paupières. Donc, j'ai pris une chance et je me suis dit, bah, je vais en mettre encore un peu plus pour voir qu'est-ce que ça donne, puis juste pour pas en jeter trop. Donc, encore une fois, ça va tomber partout, mais c'est pour ça que j'ai une planche de travail, on se fout des dégâts, et vaut mieux ça que de l'avoir complètement perdu. Donc, après la deuxième versée, voici ce que ça va donner. Vous allez voir, à la fin, ça donne vraiment un beau vernis à ongles. Donc, ça fait une couleur originale. Il n'y a rien qui vous empêche aussi d'accumuler quelques ombres à paupières et les mettre toutes ensemble. La troisième solution, c'est la remise presque à neuf. Étant donné que je vais perdre un peu de mélange et je perds un peu de design, c'est sûr que ça ne sera pas exactement parfait, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour retransporter une ombre à paupières qui a été cassée. Encore une fois, il s'agit de, pour commencer, de tout réduire en poussière. Et spécialement pour cette recette-là, pour cette solution, il faut vraiment faire attention et la mettre vraiment en le plus petit morceau possible pour pouvoir le remboîter et que ça ait une belle formule, une belle texture comme ça l'avait avant le dégât. Encore avec un entonnoir, je vais aller mettre le plus possible d'ombre à paupières et je vais essayer de le plus possible la remettre au milieu
pour éviter d'en perdre, parce que quand même, je l'aimais, ce nombre à paupières-là. Il est conseillé de prendre de l'alcool à friction de 80 ou 90 degrés, mais pour l'exemple que j'ai fait aujourd'hui, j'avais de la 50 seulement, puis ça a vraiment fait l'affaire. Et là, ici, je prends un papier parchemin, mais un papier ciré et même un spot towel fait l'affaire. On prend ensuite une pièce de monnaie, on y va avec le 16. Et là, je donne 3 microscopiques petits coups de marteau, juste question de bien resserrer l'ombre à paupières. Et voici ce que ça donne à la fin. L'alcool à friction sèche très rapidement et l'ombre à paupières est revenue solide. Elle est revenue dans son petit pot et comme ça, je peux continuer à l'utiliser comme si rien n'était passé. Allô tout le monde, je voulais juste prendre 5 secondes pour vous remercier parce que vraiment, vous me comblez depuis que 2015 a commencé avec mes nouvelles vidéos. La réponse est super. Je vous remercie tellement, tellement de me suivre et si vous aimez ça, partagez, envoyez mes vidéos ailleurs. Si vous considérez que c'est des bons conseils pour quelqu'un d'autre, mettez-le sur Facebook, il n'y a aucun problème. Pour voir les autres trucs et astuces, pour voir les lundis DIY, puis pour mes revues de la semaine, abonnez-vous. Comme ça, vous allez être sûr de rien manquer. Puis je vous remercie encore. Merci beaucoup. Bye!